Pendant que les Anglais développaient le football et le rugby, que Pierre de Coubertin relançait les Jeux Olympiques, au Japon, Jigoro Kano inventait le judo en se servant des techniques du jujitsu, l'art du combat à main nue des samouraïs. Le cinéma, lui aussi, venait d'être inventé. Un siècle plus tard, le judo est au deuxième rang des sports les plus universels et l'un des plus regardés au moment des Jeux. Très vite, le judo était devenu une histoire franco-japonaise. En France, cette version japonaise de David, terrassant Goliath, avait fasciné Monsieur Tout-le-Monde, mais aussi et surtout les grands esprits de l'époque. Les premiers dirigeants se recrutèrent parmi de grands scientifiques, collaborateurs du prix Nobel de chimie, Frédéric Joliot-Curie, lui aussi passionné de judo. Paul Bonnet-Maury, président fondateur de la Fédération française, fut également à l'origine de la création de la Fédération européenne et de la Fédération internationale. Bonnet-Maury, c'était un savant chez les judokas et un judoka chez les savants. Parce que c'est vrai que la personnalité de Paul Bonnet-Maury valorisait le judo, ça le crédibilisait effectivement. On disait si quand même quelqu'un de son niveau s'intéresse au jujitsu, judo, jujitsu, c'est que c'est quand même quelque chose de sérieux. Après la guerre, ce qui a fait, je crois, le fantastique développement, c'est le nombre de professeurs. Car dès qu'on était ceinture noire, on ouvrait un club de judo. C'était un moyen de gagner sa vie, d'une part, et puis c'était un moyen de transmettre un amour, de transmettre des choses que l'on savait à d'autres. Et il y a eu, entre 1947-48 et 52-53, quantité de clubs qui se sont ouverts dans toutes les villes de France, à l'étranger, c'est des professeurs français qui allaient à l'étranger, et il s'est ouvert des centaines de clubs. Et comme ça, on voyait fleurir partout, judo club, etc. Et là, ça a été un développement absolument fantastique. En bons élèves, les judokas français se sont longtemps demandé comment rattraper les maîtres japonais.